Les enseignements que reçoivent nos enfants doivent se situer aujourd'hui et considérer tout ce que nous avons comme valeurs éducatives et méthodes pédagogiques modernes. C'est la clé pour que les élèves soient à la page. Voilà la vision que Mgr Philippe Alain Mbaga, évêque du diocèse de Bolova de l'école catholique pour l'année scolaire 2017-2018. L'éducation est tout un processus qui ne s'arrête pas, un processus qui avance et un processus qui doit être actualisé chaque année, d'année en année, de jour en jour, pour que nous ne vivions pas au passé, mais que nous vivions au présent afin de mieux envisager l'avenir de nos élèves. À quelques jours de la rentrée scolaire, des enseignants relevant du secrétariat à l'éducation catholique du diocèse sont à l'école. Ils renforcent leurs capacités afin de mieux adapter les enseignements. On court derrière les résultats pour que nous les ayons nous-mêmes à travers la formation pédagogique. Et l'excellence ne peut se voir, ne peut savoir que grâce à une pédagogie bien assise. L'approche par compétence est le but recherché par l'enseignement privé catholique, réputé sérieux au Cameroun. C'est pour maintenir le cap et sacraliser une hégémonie qui dure depuis plusieurs années que l'évêque a invité comme formateur des références. Nous mettons l'accent sur la formation humaine, la formation intellectuelle, la formation spirituelle. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'enfant, le jeune, a besoin d'une formation totale pour s'insérer facilement dans la société actuelle qui est très complexe et qui demande assez de compétences chez l'éducateur, l'enseignant. Les défis de l'éducation sont grands aujourd'hui et des sessions de formation comme celle-ci devraient se multiplier et même être copiées.